Oui, alors la question de l'économie et la question des emplois, souvent on a l'idée que les écologistes, alors quand je dis les écologistes, il faut que ça soit clair, Manon, je parle des écologistes au sens large, je ne parle pas des écologistes d'un parti en particulier, et notre démarche en est la démonstration, c'est que c'est au-delà que ça se situe. Quand on parle d'écologie, bien souvent on entend écologie punitive. Et moi j'aime bien inverser la formule en disant c'est l'absence d'écologie qui est une punition. Et elle est une punition toujours pour les plus vulnérables. Elle est une punition pour l'économie. Sans écologie, l'économie s'effondrera. Et c'est déjà, nous en avons la preuve à de nombreux moments, quand nous n'engageons pas la transformation écologique de notre économie, nous mettons en difficulté cette économie, nous mettons en difficulté les emplois dans notre région. Et donc, partant de cette idée-là, nous sommes convaincus que nous avons, dans nos propositions, la capacité à engager le changement de modèle. Alors, la France Insoumise parlerait de la bifurcation. Moi, je vais parler du tournant, mais c'est à peu près les mêmes mots. Mais tous ceux qui sont rassemblés dans cette liste pensent qu'il nous faut des décisions courageuses. Il ne s'agit pas de réformer, d'accompagner des changements, mais d'engager des transformations extrêmement importantes sur cette manière d'approcher l'économie dans nos territoires. Et quand je dis ça, c'est une approche à la fois écologique et solidaire. Il n'y a pas non plus d'économie qui puisse fonctionner dans de tels systèmes d'inégalités qui produisent aujourd'hui des inégalités majeures dans tous les domaines. Nous le voyons à travers la crise que nous traversons, nous le savions déjà, mais nous le voyons encore plus. Et donc, transformer l'économie d'un point de vue de l'écologie et de la solidarité, c'est le défi du 21e siècle. Si nous ne le faisons pas, c'est notre avenir qui est mis en question. C'est ça, la question, elle se pose comme ça pour les générations futures. Alors, quand je regarde la liste que nous avons construite, je peux vous parler de Stéphanie qui va animer une partie de la soirée. Stéphanie, elle est épicière, elle a changé de vie, elle a créé une activité, elle est dans les circuits courts, elle vend de l'alimentation dans les territoires d'alimentation de qualité. Ça, c'est un emploi du futur. Je peux vous parler de Magali qui travaille sur le tourisme, nature et culture, la proximité. Notre région, la Loire à vélo, c'est 30 millions de retombées économiques chaque été, c'est 1 million de cyclotouristes, c'est de l'activité économique qui diffuse, qui est égalitaire. Le paysan qui peut accueillir quelqu'un dans sa ferme, le giteur qui peut accueillir quelqu'un, le loueur de vélo, c'est pas la politique des grands sites, c'est une politique économique de partage, et ça c'est extrêmement efficace. Je peux vous parler d'Emeric, qui travaille dans l'habitat. L'habitat a rénové 30 000 habitations dans notre région, 30 000 habitations, c'est des milliers d'emplois à créer pour l'artisanat, c'est des coopératives qu'on peut imaginer demain pour fabriquer des emplois ancrés dans nos territoires et qui, en plus, ont une utilité sociale et écologique directe. Je pourrais vous parler de Jérémy, qu'on a vu dans la vidéo, Jérémy qui travaille sur les territoires zéro chômeur. Travailler sur les territoires zéro chômeur, c'est travailler sur l'emploi. Et les exemples sont nombreux dans notre liste. Quand on regarde toute notre liste, elle raconte le projet que nous portons pour l'économie, cette transformation. On ne peut pas simplement la mettre un peu de vert sur tout ça. C'est un changement profond. Il faut du courage politique. Et ce que nous engageons dans cette région, je l'espère, en tout cas, nous aurons la responsabilité d'avoir ce courage, d'être à la hauteur de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il nous faudra être déterminés. Nous serons dans une situation de crise économique extrêmement importante, avec un chômage de masse, avec des inégalités très, très, très amplifiées par la crise de la Covid. Donc nous devrons nous dépasser là aussi. Mais c'est à ça que nous nous sommes préparés, et nous y sommes, je crois, tout à fait prêts.